Il s'était promis que quand il serait à la retraite, il s'occuperait de son père, pourtant déjà si vieux. Mais ça s'est joué de peu, la vie est ainsi faite qu'un anthropo-octogénaire a fermé les yeux. Non sans avoir su saisir l'occasion de lui transmettre ce qu'il considérait primordial, son secret le plus précieux, lui confier où les champignons gardent leur cachette secrète, révélation des meilleures omelettes qu'il tenait ses aïeux, et dont la renommée narguait les villageois envieux. C'est que bien trop occupé dans le défilé des années, il n'a rien vu passer, stupéfait, il se trouve retraité. Alors il emmènera son épouse voyager, puisque c'est ce dont elle a toujours rêvé. Souvent, mais sans une once d'orage, à savoir si la vie était belle, pendant que lui restait sage. Lui n'avait pas le temps de faire tout ce qu'il envisageait dorénavant, puisqu'il est en pleine force de l'âge. Dans un premier temps, il s'en prendra au garage et lui infligera le plus grand des nettoyages. Il se décidera à en mettre tellement à la décharge que ça nécessitera bien deux ou trois remorquages. Chacun fait comme il veut quand il tourne sa page. C'est que bien trop occupé dans le défilé des années, il n'a rien vu passer, stupéfait, il se trouve retraité. Alors il emmènera son épouse voyager, puisque c'est ce dont elle a toujours rêvé. Il avoue quelque part être prise de l'anxiété, puisqu'il sera remercié en plein mois de janvier. Si c'est sûr que les soucis débarrasseront le plancher, il est en droit de se demander s'il ne va pas se faire chier. Il s'est accoutumé à se lever tôt pour de bon. Effectivement, va lui falloir une sacrée imagination. Il se consacrera dès lors technicien de la maison et s'appliquera à jouer encore plus l'accordéon, le guéton t'offrira de belles partitions. C'est que bien trop occupé dans le défilé des années, il n'a rien vu passer, stupéfait, il se trouve retraité. Alors il emmènera son épouse voyager, puisque c'est ce dont elle a toujours rêvé. L'aura prévenu entre quatre cieux, par intérêt de traîner dans ses pattes, afin que tout se passe bien. Il prendra conscience alors qu'ils ne sont plus que deux dans cette maison, qu'il termine de rembourser vite des enfants qui s'en sont tour à tour détournés. Il réalise et saisit ce que sentait son père soudain, comme lui les attendra chaque dimanche, c'est certain. Occupé dans le défilé des années, il n'a rien vu passer, stupéfait, il se trouve retraité. Alors il emmènera son épouse voyager, puisque c'est ce dont elle a toujours rêvé.